À moi d'un miracle. À moi d'un miraclas. Un miraclas, un miraclas à droite. Oh putain, 3 points de vie. On prend n'importe quelle carte et on fait quand même des decks toxiques. Ça me tue. Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intelligent. On va jouer en mode défi du tirage. C'est effectivement le petit tournoi, vous savez. Il y a souvent des tournois comme ça, des tournois mondiaux. On va tester avec la carte de droite. Voilà, on va prendre la carte tout à droite. Et ça annonce des dingueries, puisque là, voilà, on est obligé de prendre le sort de rage. J'aurais bien joué la petite charrette. J'aurais bien... oui, j'aimerais bien retrouver ma voix aussi. J'aurais bien aimé jouer la petite charrette. On se tape le sort de rage. Oh là là, ça va être une masterclass cette vidéo. Mettez votre pouce bleu si jamais vous kiffez le concept. Mais waouh, ça fait très mal. Hein. Putain, pourquoi il n'y a que des cartes de... Il n'y a que des cartes pourries. Ok, le cavalier, j'aurais bien pris le ballon, mais bon, c'est pas grave. Et le poison. Bon, on va passer un bon moment ensemble. Je vous le dis, c'est sûr à 100%. Allez, c'est parti. Let's go. On va directement attaquer avec le fût à squelette. Oh, j'ai hâte de voir comment on peut gagner une game dans cette vidéo. Peut-être qu'on va tout gagner. Hein. Peut-être que le skill est présent. On va voir, est-ce qu'on est des monstres? Waouh, attendez. Là, oh là là, la moitié de la tour qui est tombée. Ah, c'est beaucoup trop beau. Honnêtement, là, je n'y crois pas. Je sais pas comment on a fait. Le petit feu à squelette qui a fait le café, là. Oh, ça va être beau. Ça va être magnifique. Oh, cette value, frérot. Cette value, on n'avait pas vu une value comme ça depuis très longtemps. Oh, par contre, putain, ok, le zappy. Non. What the fuck, le zappy, frère. Intuable. Intuable, ce petit zappy. Allez, on va partir en sort de rage. On a vu qu'il avait beaucoup de mal. Putain, ça nous fait des decks à la con. Ça, c'est du deck à la con, frérot. Oh. Il y avait un petit flow. Il y avait un petit flow dans le pêcheur plus squelette, là. J'aimais bien. J'aimais beaucoup ce qui s'est passé, là. Et, ouais, je pense qu'on est bien. On a le sorcier pour gérer la horde. Je pense qu'on est vraiment très, très bien dans cette game. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, bon début de partie. Bon, on a pris un peu cher sur la fin, mais... Avec le zappy, mais honnêtement... Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce qu'on part en cavabélier à droite? Putain, ça va être compliqué, hein. Ok, au pire, on aura le poison. Ah, purée, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on se tape le géant. L'électro-géant qui vient nous foudroyer la gueule. À gauche, le cavabélier qui a pas été détruit. Le cavabébé. Le cavabébé qui a pas été géré. Oh putain, on va prendre un dégât. Ok, on va repartir en fût. Allez, on a bien gratté des deux côtés. C'est vraiment dommage de perdre cette game. Ok, on va détruire ça. Oh oui, il a loupé. Il a loupé, le génie. Il a loupé, ça oblige à mettre une boule de feu en plus. Putain, il joue électro-géant zappy. Et moi, je suis en chaussette claquette, mon ami, je te le dis. Là, ce serait bien qu'il joue la horde. Allez, joue la horde, mon ref, s'il te plaît. Joue la horde, pré-shot. Oh putain, il joue pas la horde. Il joue pas du tout la horde, il joue le zappy. Par contre, il faut défendre ici. Oh là là, on a mis qu'un seul dégât. Pas terrible. En tout cas, le zappy sous pression. Le zappy sous pression. Je pense que ça va être défendu. Je pense que ça va être même très bien défendu. Le pêcheur ici pour venir attirer. Ce jeune géant. Le sorcier qui fait un travail colossal. Oh là 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 là, ça va passer. Allez. Oh putain. 20 secondes restantes. Putain, j'adore cette vidéo. J'adore cette vidéo. C'est annoncé. Meilleure vidéo de la semaine. Quoique, je sais pas parce qu'il y a eu des grosses vidéos sur le phénix et le moine. Donc je sais pas si c'est la meilleure vidéo de la semaine, mais en tout cas... On passe au bon moment, est-ce qu'il a quelque chose? Là ça va être... Ok, est-ce qu'il a quelque chose? 5, 4, 3, 2, 1, on va être le pêcheur ici, tu viens là bébé. 3, 2, 1, la victoire, Ada du trapin. Oh là 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 là. Ouais frérot. Et oui, t'as perdu contre un gars qui prend que les cartes de droite. Sachant qu'on est en tirage triple. Donc qu'est-ce que ça veut dire tirage triple? Ça veut dire que... Bah c'est très important de choisir la bonne carte, parce qu'en fait il y a 3 cartes. C'est pas comme si c'était en tirage double, où il y aurait qu'une seule carte. Où il y aurait que 2 cartes, là il y en a 3 quoi. Donc forcément on prend vraiment les cartes les plus éclatées. Et j'ai envie de prendre un petit Allez les gars, tu sais quoi, je tente méga chevalier, je vais prendre un truc à manger. J'ai la dalle. On va prendre un truc à bouffer vite fait. Qu'est-ce qu'on a de beau? Allez, pick-up. Ok, c'est bon, il y a un pick-up. Let's go frérot. On a trouvé le pick-up. Oh là là, le pick-up. Exceptionnel le pick-up. Ah, j'avais trop faim les gars, je suis désolé. Le petit pick-up frérot. Putain, il y a des youtubeurs qui font des sponsors avec des gâteaux Kinder Bueno et tout. Et moi je présente les marques gratuitement comme un débile, c'est pas grave.
Ok. Sacrée partie. Waouh. Oh waouh. Bon. Merci. Merci d'être passé, j'ai envie de dire, hein. Méga chevalier. Putain, le PK qui s'est fait éclater. On s'est vraiment fait punir ici. À nous de punir. À nous de punir, mon ref. Oh là là, il n'y avait même pas besoin de cette bûche. À nous de punir. Waouh. 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 Meilleure vidéo, genre, hein, ça va. C'est la meilleure vidéo, les gars. Je suis en train de bouffer des chips. On nous ébranlait avec un deck nul à chier. Cette vidéo est parfaite. Cette vidéo est parfaite, c'est définitif. C'est acté, mon ref, c'est acté. Je crois qu'il a give up là, hein. Non. Il joue géant royal. Allez, saute. Oh, l'archer qui connecte. Oui, les dragons squelettes. Oui, bébé. Ça, j'aime bien. Les dragons squelettes qui se font laver. Et encore, on a mis une bûche dans le vide, rappelez-vous. On a mis une bûche dans le vide pour détruire le gobelin Sarvacane alors qu'on n'avait pas besoin de bûche. Oh là, par contre, là, par contre, frérot. Boum. Le petit pépé. Le pépé chicken. Ah oui, c'était... Bon, on n'est pas contre, Mohamed Light, les gars. Mohamed Light, c'est le champion du monde 2022. On n'est pas contre le champion du monde, mais bon, quand même. Quand même, ça fait plaisir, la petite remontada. Il a sa tour à bombe. Ok, les archères. Ouf. Oh, la Valkyrie, si elle prend tout, là, c'est un scandale. C'est un scandale d'état, monsieur. Ok. Wow, putain, on a quand même méga chevalier plus PK. Dans notre malchance, on avait quand même un peu de réussite. On va pas se plaindre d'avoir ces deux... Oh là, on va pas se plaindre d'avoir ces deux monstres, quand même. On va pas se plaindre d'avoir ces deux masterclass. Oh là 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 là, c'est magnifique, hein, ce qui se passe. Regardez, on va... Je pense qu'il met aucun dégât ici, hein. Oh, c'est un funny moment, le bordel. Allez, défends-moi ça. Boom. Nice. Oh oui, il en prend tout. Sublime. Sublime. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. C'est exceptionnel ce qui se passe. Honnêtement, j'ai rarement vu des gameplays aussi satisfaisants. On se fait éclater par un géant royal. On contre-attaque avec du double tank. Et c'est le petit 2-0. Le petit 2-0, écoutez, hein. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Alors là, on n'a pas le choix. Carte de droite. Le petit mineur avec son casque. Ok. Le bomber. La tombstone, alors voilà, on choisit vite, hein. Le gars il doit se dire putain il est trop bon. Attends, le gars il est en train de se dire waouh, le gars est... l'adversaire est trop chaud. Il choisit les cartes directes. Ben, j'aime beaucoup le deck. Deck à 3.4, il y a du gel. Moi tu mets un sort de gel dans mon deck, je suis content, hein. Moi frérot, un petit sort de gel, un bélier de combat, un bourreau. Il m'en faut pas plus, mon ref. Il m'en faut pas plus. Ok. Corinne, gars. Allez, Corinne. Bonne chance, Corinne. Allez, ça envoie direct, hein. Pas le temps de niaiser. On a la bûche pour gérer l'armée de squelettes. Waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. 1009. Let's go. Ah oui, j'aime bien ce qui se passe, là. Du coup, on va mettre ça. Ah oui, la tombstone. Ok, il en profite pour ajouter la sauce fromagère. La sauce fromagère, mon ref. Ok, et on se fait pas focus, c'est pas mal. On va prendre des dégâts évidemment, mais c'est le jeu, hein. On a quand même fait n'importe quoi, on a attaqué avec un premier combo. Donc forcément, on s'attendait à se faire... On s'attendait à la punition. Est-ce que je changerais pas cette petite light là? Oh putain, attendez. Hop là. Je vais mettre une petite light en... Petite light en... Orange. Allez, tu sais quoi? Petite light orange, ok. Ok. Le séisme des familles.
Bah écoutez, on va repartir là-dessus. On sera pas emmerdé par les chauves-souris. Puisque on a le bourreau. Ça, c'est la bonne nouvelle. À moins que. Ah! À moins qu'ils nous mettent un chevalier. Bon. Ok. Le cochonou. Qui va être géré sans souci. Rappelez-vous, on a du sort de gel. Eh ouais, mais là, il me défonce. Là, le problème, c'est qu'il me défonce. On va laisser cette charrette. On aurait eu du mal à def. S'il a les chauves-souris, on mettra le gel. Ok, ça continue de gratter. Ça one-shot pas, what? Ça one-shot pas, les gobelins? Ah. Intéressant. Putain, je croyais que ça allait one-shot. Ça ne one-shot pas du tout, les refs. Ça ne one-shot pas du tout. C'est pas grave. Je vais remettre en bleu. J'aimais bien, voilà. J'aime bien le petit bleu ciel, là. Magnifique. Bon. Allez, bélier de combat. Là, qu'est-ce qu'il va nous mettre un chevalier pour tanker? Voilà, encore une fois, du cheu-cheu. Ok, il reste 50 secondes, no panique. On va la win. Oh oui, j'aime bien quand il rajoute. J'aime bien quand il rajoute comme ça. Le frère là. Oh, il est en chaussette là. Le frère est en chaussette, je vous le dis. Ah oui. Oh, il s'en bat les couilles là. Il s'en bat les couilles, hein. Soyons honnêtes. L'adversaire qui n'a rien respecté. Il nous a pissé dessus là. Il a fait nimpe. 20 secondes restantes. Allez, connecte. Oh oui, il la collectionne. Il va def, il défend pas. Ok. On va être obligé de mettre une petite bûche des bois. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a égalité. Puisqu'on n'a pas encore gagné, effectivement. C'est pas gagné du tout. Ok. Il faut défendre. Pas le choix ici. Encore la petite pierre tombale. Oh, la pierre tombale des bois. La pierre tombale des bois qui a été défendue. Avec cette... Oh putain, avec ce séisme. Ouais, là il faut absolument faire quelque chose. Il faut trouver une solution, j'espère qu'il va être le gang. Putain, il n'y a pas du tout de gang de... Oh, la bûche qui a transpercé. What the fuck. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh non, mais là c'est trop, 200 points de vie restants. La charrettasse. Il nous faut le sort de Gélas. À moins d'un miracle. À moins d'un miraclasse. Un miraclasse à droite. Oh putain, 3 points de vie, bordel! Oh là 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 là! Alerte rouge! Alerte rouge! Game sensationnel! Ouhouhou! Ça c'est de la game, frérot! Ça c'est de la game! Waouh! Ça c'est de la game, mon pote! Putain, la game arrêt du cœur! La game arrêt du cœur! 3 victoires avec ce petit. Voilà, ce petit. Comment il s'appelle? Ce petit combo carte de droite! C'est magnifique! C'est magnifique ce qui se passe! Le dragon. Allez, on envoie tout, hein. Putain, il est long l'adversaire, hein, je vous le dis. Il est long. Et on arrive quand même à avoir des decks toxiques. C'est ça qui me fume de rire, c'est que on prend n'importe quelle carte et on fait quand même des decks toxiques. Ça me tue. Ça me tue. Ça me tue, frérot. Ah, l'adversaire qui a 50 secondes, du coup. Ah oui, on a le temps, frère. On peut se mettre Orelsan, hein. On peut se mettre la nouvelle série d'Orelsan. Là, on peut se mettre n'importe quoi. On a le temps, parce que je suis en train de regarder. Allez, on est bien. On est bien, les refs. Biski. Biski, bonne chance, mon poulet. On va essayer d'être un petit peu défensif, pas comme sur les games d'avant. Ouais, quoique. Bon, est-ce qu'on a la flemme? Est-ce qu'on a la flemme? Oui. Est-ce qu'on a qu'une vie? Oui. Waouh. Waouh. Ah, merde. Ok, ça, c'est un peu con. Quoique, bah non, je suis con. C'est moi qui suis con en fait. Il est con celui-là. Ah, là par contre, j'ai. Oh, j'ai mal visé. Ouf. Ok, oublions ce play. Ce play immonde. Oh, je crois qu'il faut faire ça. Hein. On va passer à 800 points de vie, je dirais. Oh là là, je suis trop fort, les gars. Toujours savoir combien de dégâts vous allez prendre. Effectivement, ça va vous aider à bien, comment dire, bien jauger les défenses. Vous devez absolument savoir si combien de dégâts vous allez prendre et c'est un bon exercice. Le gars est chiant, quoi. Je suis chiant, les gars, je sais, mais c'est important de un gars qui sait jauger.
Il va être super fort. On va mettre la cabane, la cage. La cage de gobelin. Cage gobelin. Waouh, j'adore ce gobelin. Il me fume de rire. Par contre, on a... Oh putain, méta tour de l'enfer, s'il te plaît. Méta putain de tour de l'enfer. Oui, bébé. Allez, avance, avance, avance. Oui, oui, oui. Voilà. Oh là 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 là. Et là, là, il va mettre sa charrette. Sa charrettasse. Non, pas de charrettasse. Allez, prends la tourasse. Prends la tourasse. On était à 2000, rappelons-le. Oh là là là, oh là 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 là, oh là 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 là, 2000, 2000, from 2000 to 0, let's go. Allez, défonce, ok, c'est bon, la charrette a été gérée. Putain, j'ai envie d'un McDo, les gars, c'est quoi ce délire? Je viens de bouffer un pick-up, il en reste deux. Protégez-moi de ce McDo qui va être commandé, là, je sens que ça va se commander. Ah oui, il sort de gel, alors, bien joué, c'est un signe. Ou alors, je mange un machin. Je mange un pick-up, désolé pour le bruit. Je mange un pick-up, je mange un deuxième pick-up, les gars. Comme ça, pas de McDo. Trop intelligent, le gars. Comme ça, je prends combien de calories? 100 grammes, c'est 500 calories. Ah oui, là, je prends... Ok, bon, ça va, je prends 180 calories. Hein. Parfait. Le gars est content. Ouais, j'ai économisé un McDo, les gars, juste avec un biscuit. Est-ce que je vais me faire éclater? Il se peut, hein. Je suppose que je me fasse défoncer dans cette game. Non. Non. Non, il veut pas. Bon. Il veut pas. Trop petit. Ah si, regardez-moi ça, il y a du lait au milieu. Je sais pas si c'est dans tous les pick-up il y a du lait. Ouais bon bref. Je suis pas un expert. Mais pick-up, c'est moi, ils ont fait que ça. Pick-up, ils ont fait que ça, non? Ah non, c'est Balsken, la marque. Bon, bref, Balek. Mais, ouais, produit phare, quoi. Pas mal. Et le pseudo du mec en face, il me tue. Hein. Tsunami Papi. Tsunami Papi, frère, c'est le meilleur nom. Avec un S à la place du dollar. Attention. C'est le meilleur pseudo, mec. Putain, regardez, il est bien crémeux, là. Je sais pas si ça se voit, mais comme il fait chaud, là où je suis. Regardez. Oh là là, il est crémeux. Oh putain. Oh là 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 là, là c'est kiffant, là. C'est kiffant, ça coule de partout. Le chocolat blanc. On envoie la sauce. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu celui-là. Le féfé. Ah oui, ils sont balèques, hein. Ils s'en bat les couilles, notre adversaire. Il n'y a plus de respect. Tsunami Papi, putain, attends. J'ai envie de le laisser gagner. Hey, Tsunami Papi. What, ça one-shot la Tesla? Oh là là. L'esprit de guérison qui s'est fait one-shot par la Tesla. Ça, c'est coup dur. Ça, c'est vraiment coup dur. Bon, est-ce qu'on a vraiment mettre cette foreuse? Je pense que non. Hein. On va rester comme ça. Allez, va mettre quoi, ces gobelins? Ouais, c'est qu'on a vraiment des decks chelous, en fait. C'est... C'est pas pour se plaindre, mais bon, c'est la vérité. Ok, la boule de neige dans le vide. Putain, ça, c'est pas le meilleur play de l'année. Hein. Artificière, BDF. Petite voleuse en plus. Voilà, c'était sûr qu'il allait rajouter. Oh. Oh, je pense qu'il va pas revive. Les putes. C'est pas possible, frérot. Cette carte de merde, là. Non. Ah vas-y, mets le deuxième. Ah oui, vas-y, pisse-moi dessus, vas-y. Je suis un urinoir, vas-y frérot, fais-toi plaisir. Non mais là, là attendez, on va forcément remonter là. Comment ne pas remonter après cette dinguerie? Le gars s'est dit, oh je vais en mettre un deuxième. Allez, il a l'air mauvais ce con, je m'appelle Tsunami Papi, je suis le roi du monde. Tsunami Papi, ah oui le sim. Ah bah oui, why not, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
après tout. Oh, j'ai encore mis une boule de neige. Les gars, je suis pire que l'adversaire. Je me fous de la gueule de l'adversaire, mais je suis littéralement... Mais c'est un bon move qu'il a fait. Mais c'est un move de... C'est un move de génie qu'il a fait, le ref, en fait. Bon, ça passe pas. Ça passera pas, cette game. Bah, Toonami Papi, bien joué à toi, mon pote. Toonami Papi qui m'a lavé, hein. Il m'a donné ma petite douche. Voilà, il m'a fait prendre ma douche. Quoique, 27 secondes restantes. Ah oui, un excès de confiance de la part de Toonami Papi. Toonami Papi, les gobelins ici, peut-être. Les gobelins ici en défense, les gobelins ici en défense. Par contre, je me fais fumer à gauche. Edit, j'édite ce que j'ai dit. Je me suis fait fumer à gauche, les gars. Voilà, le Enjoy Phoenix qui m'a lavé. Bon, est-ce qu'on finit là-dessus? Est-ce qu'on finit contre Toonami Papi? Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est un très bon moment avec vous. 20 minutes, vidéo un peu courte aujourd'hui. C'est pas grave, on a passé un très très bon moment. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Pouce bleu, écrivez Toonami Papi dans les commentaires. Si vous êtes resté jusqu'au bout, la team la meilleure. Puis voilà, on se dit à demain pour une prochaine. Pas mal de vidéos qui sont en thème avec les nouvelles cartes. Et le vlog de Helsinki aussi qui arrive. Oui, ça fait un mois, mais il va arriver. Et je vous fais des bisous. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Il y aura aussi des feats avec d'autres youtubeurs. Bref, pas mal de choses. À très bientôt. Ciao à tous.